Il est assez d'honneur pour le serviteur d'avoir été créé par Allah Azza wa Jalla. Et d'avoir été choisi dans la fonction de Abd. Serviteur. Si les humains sont appelés pour des fonctions importantes, ça arrive chez nous tout le temps. On a une parenté qui a été appelée pour être députée, ministre, PDG, vice-président, premier ministre, même président, sultan. Tout le monde fête. C'est la célébration. Tellement d'honneur, tellement d'espoir pour cette fonction qui, en finalité, est une fonction illusoire, une fonction dangereuse. Une fonction de fardeau, c'est une fonction de souffrance, c'est une fonction de peine. C'est dans Omar, radiallahu anhu, lorsqu'il a été nommé khalife, on dit qu'il a pleuré pendant toute une journée. Et quand on lui a demandé, mais Omar, hier tu as été nommé, tu rigolais, aujourd'hui tu pleures, qu'est-ce qui se passe? Il a dit aujourd'hui, j'ai compris la gravité de cette position. Même si le chien, qui est à Basra, il n'a pas eu son droit, Yom al-Qiyam, le jour de la rencontre, c'est ma responsabilité. Comme il était une fois un alim, un savant, vertueux, qui a visité, qui a été l'invité d'un des sultans osmanais, un des sultans ottomans. Et comme il était savant, et qu'il était également vertueux, de nos jours, c'est rare de trouver les deux. Il a mis en application ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Afdalul jihad, kalimatul haq, inda sultanul jahl. Le plus grand des combats,
Celui qui a dit la parole de vérité dans la cour du sultan. Donc il est venu dire au sultan, parce qu'il voyait l'opulence, et lui il était dans la rue, il connaît la réalité de la rue. Il est invité chez le sultan au palais, surtout Moulukia, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, la grosse royauté. Quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quand je vais partir, ils vont venir Khulafa. Quand ils vont partir, ils vont venir Umara. Quand ils vont partir, ils vont venir Moulouk. Et quand ils vont partir, ils vont venir Jabba Berat. Et Jabba Berat, impossible de les sanctionner, excepté sur Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Il décrivait sa succession en disant, après moi vont venir des califes bien guidés et par la suite des princes et ensuite des rois, des grosses royautés et les tyrans. Osman, lui, c'était les grosses royautés. Si vous allez visiter Istanbul, la ville, déjà, elle est majestueuse. Tu arrives Topkapi, le palais du sultan, juste l'ampleur de la chose, tu es impressionné. Tu arrives devant la porte avec les gardes et avec l'arche. Tu ne sais pas est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas. Tellement c'est impressionnant. Tu rentres dedans. Ils avaient installé une monarchie, une royauté impressionnante. Alors, le Halim, il a dit au sultan, tu ne t'occupes pas bien de ton peuple. Je vois que toi, tu dors bien, tu dors tranquille, mais ton peuple, il est en difficulté. Il a dit, demain, on va parler. Et là, il a appelé les gardes, il leur a donné une instruction. Donc, le Alim, la nuit, il dort. Il est rentré dans ses quartiers. Le sultan lui a donné une belle chambre. Et au-dessus de son lit, il y a une belle décoration. C'est comme une hache gigantesque qui est attachée d'un côté et suspendue par un petit fil de l'autre côté. Là, Alim, il regarde ça, la nuit, il veut dormir, il dit, si le fil, là, il casse la nuit, ça ne va pas être intéressant le matin. Donc il dort, il se pousse sur le côté comme ça. Ouais, il se met sur le côté toute la nuit. Il dort, il a un œil ouvert. Il a peur de la chose qui est suspendue au-dessus de son lit. Parce que c'était installé de telle façon que oui, d'abord c'est très gros, mais si le câble qui le retient d'un côté qui est très fin, il lâche, ça risque de lui couper les moustaches de très près. Et toute la nuit, il arrive, il n'a pas dormi. Après, on vient l'appeler le matin pour dire, le sultan, il veut te recevoir. Ça, c'est les histoires de Mawlana Shehrnaz. Il en connaît beaucoup comme ça. Voilà, ça l'observe. Alors il dit, oh, cher, comment ça va? Comment a été ta nuit? Je vois que tu as l'air un peu fatigué. Oui, j'étais un peu inquiet par rapport à quelque chose dans la chambre. Il dit, comment ça? Il dit, voilà, ils ont mis une décoration dans la chambre que vous m'avez donnée, votre honneur.
Mais je pense que c'est un peu dangereux. Cher. La décoration. Oui, il y avait une grosse hache. Et tu n'as pas dormi? Il a dit non. Et puis juste pour ça, tu n'as pas dormi? Et dis-moi tous les jours que Allah fait, Saifullah, il est suspendu au-dessus de ma tête. Le sabre d'Allah. Et tous les jours, ce sabre, s'il te tranche, c'est pour l'éternité. C'est ce que moi je risque. Et je vis avec cette crainte à l'intérieur de moi depuis que je suis sur cette fonction. Et tu viens me dire que je vis dans l'opulence et mon peuple, il vit dans la difficulté. Il ne faut pas te fier aux apparences. Comment ils ont compris la gravité de leur fonction? Mais ils ne sont pas nombreux. Pour la majeure partie des souverains, la chaise, c'est le privilège. Peut-être qu'on est nommé sur la chaise. D'abord, on ne mange plus de la même façon. On ne parle plus de la même façon. On ne marche plus de la même façon. On n'accepte pas, même de nos habituels, on n'accepte pas la proximité, parce que là, maintenant, on n'est plus sur le même standard. Tous, on a vu ça. Aulia, quand ça arrive, des fois ils viennent, ils mettent une aiguille comme tu mets dans le ballon, pouf, et là le ballon se dégonfle. Alors, cette fonction est très difficile. Si on est nommé pour cette fonction, tout le monde se réjouit. Mais si on est nommé, Khalifatullah, wa ma khalaqtul jinn wal ins illa ya'budun. J'ai pas créé les humains, les djinns et les humains, excepté pour m'adorer. Il a décrit pourquoi il a créé ces créatures. J'étais un trésor caché. Allah Azzawajal, il se décrit. Et je voulus faire connaître ce trésor et me manifester, j'ai créé la création. Et il a choisi Allah Azzawajal, Khalifa, incouronné parmi tous, son digne représentant. Hadrat Insan. Celui qui est pris avec un nœud d'anxiété, un nœud de dépression, un nœud de colère, un nœud d'envie, un nœud de ci, un nœud de ça, cette vie, dunya, elle est maudite. Elle tord les humains, elle déchire les humains parce qu'ils la regardent. Allah Azzawajal, il a dit al-dunya. Si mon serviteur te suit, alors asservis-le. C'est un ordre. S'il se détourne de toi, alors servis-le. Et qu'il se tourne vers moi. Il n'y a pas de mystère. Au bout de dunya,
L'amour de ce monde, de cette matérialité, l'amour, il ne faut pas penser que Hobbes-Dounia, c'est simplement l'amour de l'argent, de ce qui est brillant. Et c'est tout ce qui est créé et qui est matériel, qu'il soit physique, qu'il soit créature, qu'il soit humain. Hobbes-Dounia, c'est également l'amour que nous portons les uns pour les autres. Il y a une partie de nous qui est matérielle. Pour ça, Allah Azzawajal, il dit, vous allez être mis à l'épreuve avec ceux que vous aimez. Et quelle mise à l'épreuve? Regardez, faites ça à Salah. Allah Azzawajal, alors qu'il arrivait sur ce monde, il a pris son honorable père. Il n'avait même pas fini la première enfance que sa mère a été également rappelée auprès d'Allah Azzawajal. Et par la suite, son oncle. Et par la suite, un autre oncle. Et ses amis. Et ses enfants et son épouse, Khadijatul Kubra, et ses petits-enfants, et ses compagnons. Et dans des situations pas faciles. Subhanallah. L'honneur donné à l'humain. Cet humain qui ne comprend pas, qui est incapable de prendre la propre mesure de son Seigneur. Regarde. L'homme, il a responsabilité sur son raisin. Il court. Tout le monde court ici pour avoir le toit, la subsistance et le vêtement. Des fois ça vient, des fois ça ne vient pas. Toutes sortes d'histoires. Chacun a son histoire ici. C'est un mal de tête permanent. Et par la suite, Allah Azzawajal, il donne les dépendants. Voilà ce qui était un mal de tête, maintenant c'est devenu une montagne de mal de tête. Parce que le dépendant, c'est l'épouse, c'est l'enfant, le mari, c'est le frère, c'est la sœur, c'est le parent, c'est le grand-parent. Ça finit pas. Ici, ils ont simplifié les choses. Quand l'enfant, d'abord, il limite le nombre d'enfants. Quand il a un certain âge, on dit, bon, là, on a fait assez, il faut partir. Bon, de tes propres ailes. Et après, quand il s'agit du parent, on dit, bon, on a fait assez aussi pour toi. Le système, il va s'occuper de toi. Quelle difficulté pour un... Pour une créature toujours préoccupée par sa subsistance. Et c'est pas facile. Et plus nous avons de dépendants, plus nous sommes exercés à mettre la générosité. Allah Azzawajal. Il a créé toutes les créatures. Il a assuré toute leur subsistance. Aussi nombreuses qu'elles soient. Aussi loin que votre cerveau peut imaginer la grandeur du nombre des créatures de l'existence, ça n'a pas dépassé juste la quantité de créatures qu'il y a dans cette place. Si vous commencez à compter
la quantité d'êtres vivants qu'il y a dans ce bâtiment. En termes d'humains, mais les autres espèces, les organismes, les micro-organismes, tout ce que nous avons dans notre corps, juste dans l'intestin de l'humain, combien de milliards de créatures qui sont pas de l'humain, qui savent où aller chercher leur subsistance, comment la trouver. Ils creusent la terre, chaque mètre carré, tu trouves des centaines, voire des milliers de vers. Ils savent comment aller chercher leur nourriture dans la terre. Et pas un ne manque. Tu lèves les yeux, tu vois les oiseaux qui passent. On te dit, lui, il va parcourir 10 000 kilomètres. 10 000 kilomètres, il est parti. Qu'est-ce qu'il a mangé? Quelques insectes ici, quelques insectes là. Comment il fait pour faire 10 000 kilomètres avec quelques insectes dans le ventre? Vous ne pensez pas à la grandeur d'Allah Azzawajal? Chaque créature, chaque arbre, il a sa subsistance. Il puise sa sève, il sait comment aller la chercher. Il n'a pas besoin. Voilà. Des fois, les créatures et les scientifiques, il y en a. Parfois, ils ne peuvent pas ouvrir les yeux et comprendre. Il y a une espèce qui vient, il pond des œufs ici et il s'en va. Entre les deux, il y a 5 000 kilomètres. Les œufs éclosent, les petits se lèvent, ils sautent dans l'eau, ils nagent tout seuls 5 000 kilomètres pour aller là où les parents ils sont. Pas de GPS, pas de téléphone. Comment ils ont trouvé le chemin? Sur cette terre, juste si on nous dit, on nous dit il faut aller là-bas, si on n'a pas une carte, si on n'a pas eu un GPS, s'il n'y a pas de route qui sont tracées, on devient fou. Tout seul, la créature. Et un nombre infini de créatures. Et leur mode de rizq, ajib. Comment celui-là, il sait où aller chercher pour lui. Comment celui-là, il est doté de tel sens pour aller trouver. Celui-là, il est doté de tel organe pour aller trouver. Celui-là, il est doté de ci. Et les créatures par centaines, par millions. Chacune différente l'une de l'autre et chacune sait exactement où aller chercher, comment aller chercher, comment survivre. Subhanallah. Karim, Allah Azzawajal, il est la générosité manifestée. Et sur l'humain, cette générosité, sur chaque instant, son souffle, son battement de cœur, chaque mouvement dans son corps est soutenu par un souffle de Hayy, un souffle de l'éternel, le vivant, dans sa grande générosité. Et nous n'avons pas pris la propre mesure de la suprématie d'Allah et de l'honneur qui a été accordé à l'humain. C'est pour ça, Anbiya, les prophètes, ils sont arrivés imprégné du rappel, tels des annonciateurs de bonnes nouvelles, mais avec une mise en garde. Ô humains, vous êtes invités à la fonction suprême. Ô humains, voilà la chair, il disait, il racontait. Il dit le jour du jugement dernier, par Allah Azzawajal, il va octroyer et recevoir ses serviteurs et leur donner. Il a dit, sa rahma est grande. Wa rahmati wasi'at kulli shay. Allah Azzawajal, il dit,
Ma miséricorde englobe tout. Il dit même le dernier. Il va dire, Taral, viens. Il dit, rentre. Jannah. Il dit, il va rentrer, il va regarder, il va dire, il y a trop de monde ici pour partager ce qu'il y a dedans. Allah Azzawajal va dire Malik. Il va ouvrir un Jannah qui fait 70 000 fois ce ciel. Et il va dire, rentre juste pour toi. Alors, ça, c'est la parole des Awliya. Et la parole des Awliya, elle suit la parole du prophète Sarasim. La grandeur, la suprématie, la générosité d'Allah Azzawajal. Et les gens vont venir discuter. Comment, oh cher, tu as dit que le dernier de la création, Allah va avoir la miséricorde pour lui, pour le faire entrer au paradis. Et pourquoi pas? C'est toi le juge? C'est toi qui décides? C'est toi qui mesures la miséricorde d'Allah Azzawajal? Tu veux être le bourreau et le gardien des enfers? Vas-y. En fait, ça va, salam, tellement de nouvelles il a donné. Quand il a dit, quand Allah Azzawajal va appeler, ce jour-là, il va me donner l'intercession pour les kaba'ir, pour les grands pécheurs. Les grands kaba'ir, ceux qui sont sur la ligne des pécheurs et des péchés capitaux majeurs. Il va me la donner. Et alors qu'ils sont tous destinés, Allah va. Je vais aller en sajda et il va m'inspirer sur un doa, un munajat, une invocation jamais qui a été faite. Et Allah Azzawajal va lui dire, Ya Abdi, relève-toi, prends avec toi le Jannah dans l'Éden, un tiers. En fait, Salam, il a dit, deuxième sajda. Un autre dua qui n'a jamais été fait avant, complètement différente de la première. Jusqu'à ce que, dans cette sajda, Allah Azzawajal va l'appeler encore. Il a dit, prends un autre tiers. Troisième fois, il a dit, prends le dernier. Ça, c'est une narration. One narration. Hadith about how Prophet ﷺ is going to intercede to make shafa'ah for the last one of creation. Et combien de hadiths, combien de narrations comme ça? La miséricorde d'Allah Azzawajal, est-ce qu'on veut la comparer avec celle de l'humain? L'humain, même sur le fautif, il pardonne. L'humain, sur sa progéniture, qu'est-ce qu'il est capable de passer? Regardez les leçons. Quand Sayyidina Moussa, alayhi salam, Allah Azzawajal, il a fait ouvrir la mer
On dit qu'il a ouvert 12 fois la mer, 12 canaux. Et il est rentré avec Bani Israël dedans. Et Pharaon et son armée l'ont suivi. Et alors qu'ils allaient les rattraper et au sortir, dès que les derniers compagnons de Seyna Moussa alayhi salam sont sortis, la mer a commencé à se fermer. Quand Pharaon il a vu ça, tout de suite, il l'a cru. Et il a voulu parler pour dire La ilaha illallah, Moussa Rasoul. Quand il a voulu dire ça, c'est Nadibril alayhi salam, il a jeté l'argile. Et c'est venu pour fermer sa bouche. Pourquoi tu as fait ça, ya Djibril? Là, ya Rabbi, c'est un hypocrite. Il ne mérite pas, après ce qu'il a fait, de dire ça. Là, comment il ne mérite pas? Ana Rahman, je suis le miséricordieux. Je le laisse. Il aurait fait 1000 fois ça. Il serait venu pour demander, je le pardonne. Quand Sayyidina Moussa alayhi salam, 40 années durant, tous les jours, Sayyidina Moussa alayhi salam, Pharaon, il le fait battre et il le fait jeter de chez lui. Sayyidina Jibril, il vient, il le prend. Il adoucit la peine de ce qui lui a infligé, il y retourne. Peut-être tu devrais t'adresser avec plus de douceur et de respect. Et na Ibrahim alayhi salam, il a prêché sur une nation mécréante, dure. C'était l'ère et l'hégémonie de Nimrod. Et le royaume de Nimrod, parce que Allah il a accordé à quatre la totalité de la gouvernance sur terre. Entre l'Est et l'Ouest. Deux qui sont bons et deux mauvais. Deux qui sont bons, c'est Na Dholkarnayn et c'est Na Suleyman. Deux mauvais, Ortenasser et Nimrod. Et Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, il a gouverné et sa prophétie s'établissait sur un temps de jahiliya intense. Il faut anéantir ces gens-là. Ça va, sois patient avec eux. Et un jour, je vais te demander le prix de ce garçon que tu as tant donné. Aujourd'hui, donne-moi sa vie. Une fois, le rêve est venu. Deux fois, le rêve est venu. Il sait. Allah lui a demandé d'aller sacrifier son fils. Trois fois. Et là, il ne sait pas comment il va faire. Il tourne, il tourne. C'est Na Ismaïl, alayhi salam, il est venu. Il a appelé. Il a dit, oh mon père, ne te tracasse pas. Je connais l'ordre de ton Seigneur, je suis prêt. C'est Na Ibrahim, alayhi salam, tout son être est en train de se consumer. Nous,
Jésus, si on nous dit, tu prends ta progéniture et tu le passes un peu, à part quelques-uns qui sont. On lui a demandé de sacrifier son garçon, qu'il a attendu combien d'années? Plus de 80 ans, il espère qu'Allah lui a accordé ce garçon à le sacrifier. Il est allé, et pas simplement, tu dois le faire une fois. Le couteau, il coupe pas. Deux fois, il essaie. Il va aiguiser encore. Trois fois, il aiguise encore. Sept fois, il est allé pour répondre. Allah a fait durer le supplice sept fois. Et c'est là qu'il lui a dit, ton Seigneur n'a pas besoin de la vie de ton fils. Sacrifie cette année pour lui. Se bénir. Pourquoi? Ya Ibrahim. Comment tu te sens quand j'ai demandé pour la vie d'un de tes enfants? Et toi, tu as demandé à ton Seigneur d'anéantir sa création? Combien de fois cette leçon a été donnée au prophète? Combien de fois? C'est Nanour alayhi salam, même leçon. On dit, c'est Nanour alayhi salam, il est le prophète qui a vécu le plus longtemps. C'est le patriarche des prophètes. Il a vécu 900 et quelques, ou 1000 ans. La moitié du temps, il était en pleurs, en lamentation, pour avoir demandé à Allah Azzawajal d'anéantir sa nation. Et Allah l'a fait. Avec Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il lui a donné une leçon. Avec Sayyidina Muhammad sallallahu. Alors qu'ils l'ont torturé, martyrisé, humilié, et que tout dans ce monde était prêt pour le servir. Que les montagnes horrifiées voulaient anéantir de m'écrire. Non. Peut-être un jour ils vont changer. Et peut-être leurs enfants, ils vont prendre l'islam. Même sur ses pires ennemis. L'un des leaders de Munafiq qui a tellement opprimé le prophète qui s'est tellement moqué de lui, qui a tellement, pour les croyants, été dur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais montré, excepté pour lui, de la douceur et du respect. Jusqu'à sa mort. Quand il est mort, il a enlevé son vêtement, il l'a enroulé dedans, il l'a fait janaza sur lui. Et ça, c'est pas le leader des kafirs, c'est le leader des munafiqs, à propos desquels. Ce n'est pas le leader des non-croyants, c'est le leader des hypocrites, plus dangereux que les non-croyants, comme on disait. Il est kafir, c'est un ennemi déclaré pour toi. C'est l'autre, il a deux visages. Ô croyants, ô serviteurs d'Allah, cherchez le titre de serviteur. Il est honorable. Il est plus grand que toute fonction, que tout titre. Ne cherchez pas le titre d'esclave. Il y a une différence. Parfois, ils traduisent serviteur comme esclave. Serviteur, il a tous les honneurs. L'esclave, il est contraint. Qu'Allah nous accorde d'être à son service. Amen.
d'avoir les honneurs de ce service, Amen. D'être accepté parmi les bons, Amen. Parmi les vertus, Amen. Par la gloire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'honneur d'Auli al-Kiram, ceux qui suivent et qui portent l'héritage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé. Amen. Amen. Allah azza wa jal élève, honore et accorde longue vie à nos chers. Et Inch'Allah, qu'il nous permette de traverser le désert de Shahr Safar, le mois de Safar. Il nous protège de l'affliction. Amen. Il protège nos dépendants, Amen. Nos familles, Amen. Nos parents, nos enfants, nos voisins. Allah protège les bons et les vertus. Amen. Ya Rabbi. Pour les ogres de ce monde, change leur cœur. Amen. S'ils ne peuvent pas changer, débarrasse-nous Amen. De leur dureté Amen. Qui asservi et oppresse les humains. Amen. Ya Hadratina Bil Fatih. Allahumma salli wa sallam.